Un père est un chef de famille. Il a des responsabilités différentes. Mais outre cela, un père est une personne qui aime sa famille et la protège de beaucoup de mauvaises choses. Mais c'est tellement surprenant de voir la personne en qui vous avez le plus confiance s'avère être la pire personne que vous ayez jamais vue. Nous avons rendu visite à cette famille qui a traversé beaucoup d'épreuves et de douleurs. Il y a des années, c'était une famille heureuse, avec deux parents qui s'aimaient énormément. Les enfants étaient aussi très heureux et allaient à l'école normalement sans aucun souci. La famille était adorable. Comme entreprise familiale, ils avaient créé et fermenté de l'alcool local et le vendaient aux villageois. C'est dans ça qu'ils gagnaient de l'argent qui était ensuite utilisé pour la consommation domestique et d'autres choses dont ils avaient besoin à la maison. Les enfants grandissaient. Emmanuel était le premier enfant. Il était aussi vieux pour commencer à travailler. Il a passé beaucoup de temps à chercher un travail dans ce village, mais il n'a pas réussi à en trouver un. Il a donc dû avoir une idée, celle de déménager en ville, parce qu'il aurait entendu, selon des gens, qu'il y avait beaucoup de travail et d'opportunités. Alors il a décidé d'aller et tenter sa chance. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à être peu à peu indépendant, et il espérait revenir rendre visite à sa famille de temps en temps. Il dit qu'au moment où il est parti, il n'y avait aucun problème entre eux. Tout allait bien et il n'a jamais pensé que leur père pourrait blesser l'un des membres de la famille ou même quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, une nuit vers 20h, sa famille était à la maison et préparait leurs marchandises du lendemain, l'alcool, comme ils l'ont toujours fait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit allait être la dernière nuit de leur vie. Ils avaient une machette qu'ils utilisaient pour couper la banane qui servait à faire l'alcool. Pendant que la sœur d'Emmanuel coupait le bananier, elle a cassé le verre d'alcool de son père accidentellement. Et ne sachant pas quoi faire, elle a tout simplement dit qu'elle était désolée. Mais le père ne voulait rien comprendre et a commencé à la battre sévèrement. Les deux autres frères et la mère sont venus voir ce qui se passait. Ils ont essayé de l'arrêter, mais il ne voulait pas. Et c'est alors qu'il va ramasser la machette et commencer à macheter les membres de sa famille l'un après l'autre. La mère est venue sauver sa fille, mais elle a aussi été machetée à mort. Ça a été le même cas pour ses jeunes frères. Ils sont également venus sauver leur mère, mais eux aussi ont été battus à mort. Elle s'est ensuite évanouie parce qu'elle avait beaucoup de blessures, notamment sur sa tête. Le père, lui, pensait qu'ils étaient tous morts. Il est alors sorti et a commencé à mettre le feu à la maison pendant que ses enfants et sa femme étaient à l'intérieur. Il ne voulait pas que l'un d'entre eux puisse survivre. Peu de temps après, les villageois sont venus voir pourquoi il était en train de brûler sa propre maison, mais à leur grande surprise, ils ont retrouvé sa famille décapitée à l'intérieur. Et sans plus tarder, ils ont alerté la police. Le père a ensuite été arrêté et mis en prison. Sa famille a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Leur mère a rendu l'âme en cours de route. Ses deux autres frères étaient encore en vie. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont également rendu la leur avant les premiers soins. Plus tard, la sœur s'est réveillée et était la seule personne qui était encore en vie. Les gens du quartier disent qu'il était un homme si gentil, qui aimait vraiment sa famille et même les tierces personnes. Ils n'ont jamais pensé qu'il était capable de prendre la vie de quelqu'un, encore moins celle de sa famille. C'était absolument impensable. Ils ont été choqués quand ils ont découvert que c'était lui qui avait fait ça à sa famille. Pendant ce temps, Emmanuel cherchait toujours un emploi en ville. Et un jour, son téléphone portable a sonné et on lui annonça ce qui est arrivé à sa famille. Il n'y croyait pas, alors il s'empressa de rentrer à la maison au village pour voir de ses propres yeux. Après avoir constaté de lui-même que c'était vrai, il a demandé s'il avait des survivants. On lui a dit que sa sœur était toujours vivante, mais qu'elle était à l'hôpital et qu'il ne pensait pas vraiment qu'elle aussi s'en sortirait. Emmanuel a rapidement couru vers l'hôpital pour retrouver sa sœur. Il a dû vendre tout ce qu'il avait pour obtenir l'argent nécessaire pour le traitement de sa sœur. Et quand il a eu cet argent, ils ont immédiatement transféré sa sœur dans un bien meilleur hôpital pour son traitement. Mais arrivé à un moment, ils ne pouvaient plus s'assurer le traitement, car c'était devenu trop cher après qu'ils aient passé un an dans cet hôpital. Ils n'avaient plus les moyens de payer, alors ils ont été renvoyés chez eux. Mais sa sœur n'allait pas du tout bien. «
Elle était traumatisée, paralysée et ne pouvait même plus parler. Après, ils sont venus vivre dans cette maison car ils n'avaient plus assez d'argent. Et aussi, ils ne pouvaient plus travailler parce qu'ils n'avaient aucun moyen qu'ils puissent laisser sa sœur seule à la maison dans cet état. Il doit rester ici et prendre soin d'elle chaque jour que Dieu fait. Ils ont passé 4 ans à vivre ainsi dans cette maison et ils seront bientôt chassés parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer. Dans une telle situation, il est évident que la nourriture est aussi l'un des plus gros problèmes qu'ils affrontent. Des années plus tard, il a appris la mort de son père en prison. Il dit qu'avant la mort de son père, il n'a pas vraiment eu le courage et la force de lui rendre visite et de lui demander pourquoi il avait fait ça. Il espère que sa sœur pourra obtenir le traitement qu'elle mérite parce qu'il ne tient pas vraiment à la perdre. Elle est tout ce qui lui reste de sa famille. Il n'a visiblement pas d'espoir ni personne pour les aider. C'est pourquoi il demande de l'aide à tous ceux qui seront en train de regarder cette vidéo ou entendront parler de leur histoire. Les fonds qui aideront Emmanuel à prendre soin de sa sœur et payer un traitement avancé seront donnés via GoFundMe. Un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo est épinglé dans le premier commentaire par Beckham. Le pardon n'efface pas le passé. Un souvenir guéri n'est pas supprimé de la mémoire. Au lieu de pardonner ce que nous ne pouvons pas oublier, créer une nouvelle façon de se souvenir change la mémoire de notre passé et espérer avoir un meilleur avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre très belle communauté. À la prochaine et que Dieu vous garde.